voulez pas vous faire un petit câlin, vous êtes mignon quand même. Non. Alors les garçons, quel a été votre plus grand point de désaccord avec l'autre? Je te laisse commencer. J'en ai aucune idée, il n'y a que ça. Ouais, je dirais pareil. J'ai trouvé un moment où j'ai pu dire ouais, t'as raison dans le débat. Non, 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 il y a vraiment Surtout, hein, ouais, full surtout, désaccord. full désaccord. Mais ça montre bien que c'est irréconciliable, c'est ça aussi, c'est que les gens aimeraient dire oui, rassemblez-vous dans le débat politique, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est tant mieux même. Et donc accord non plus? Eh ben non, mais encore moins du coup. Encore moins. Ouais. Je crois qu'au début, dans les escaliers, on a dû se dire un truc genre ouais, salut. C'est tout. Et c'est tout, ouais. C'était probablement faux d'ailleurs. Ouais, c'est faux. Ouais. Quel est le point qui vous a le plus convaincu chez l'autre? Ah, je dirais peut-être la moustache, moi. La casquette, j'adore The North Face. Et est-ce que du coup ce débat a fait évoluer un peu votre vision? Bah, toi, est-ce que ça t'a fait évoluer sur ta vision de l'extrême droite et toi peut-être sur ce que pensait Louis de manière générale ou pas forcément? Moi, pas forcément. J'avais déjà eu l'occasion de débattre avec des gens de gauche radicale. Ça m'a pas. Non, non, ça m'a pas rapproché. J'aurais peut-être aimé qu'on se rapproche sur les concepts peut-être d'écologie, sur les solutions, mais je crois qu'on a un peu zappé le moment solution, malheureusement. Mais on se reverra pour débriefer tout ça. Bah moi non du coup, mais c'est encore une fois c'est normal, c'est parce que c'est pas juste des désaccords de propositions, c'est des désaccords d'idées, même de vision du monde. On ne voit pas le monde de la même manière. Je dis pas qui a raison ou pas, bien sûr que je pense avoir raison, mais c'est ça en fait. À partir du moment où on ne voit pas le monde de la même manière, on peut pas être d'accord sur comment l'organiser. Pourtant, vous êtes quand même très proches pour deux personnes qui sont en désaccord là. Bah c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas le choix de cohabiter. Et c'est ça aussi le point de tension, c'est que si jamais la gauche arrivait au pouvoir, en tout cas ma gauche arrivait au pouvoir, l'extrême droite ne laissait pas faire, et si jamais l'extrême droite arrive au pouvoir, je ne laisserai pas faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous pensez que ça va amener à une guerre civile si l'un des deux extrêmes est élu alors? Moi, je voyais pas la guerre civile dans cette disposition-là. Parce que peut-être que je sous-estime beaucoup le poids de la gauche dans le débat public et même dans la population, mais pour moi c'est insignifiant quoi. Les gens qui partagent les idées de Louis, pour moi, ne représentent rien, mais je me trompe sans doute. Moi, je pense que beaucoup de personnes ne se laisseront pas faire si jamais l'extrême droite arrive au pouvoir, parce que les gens que vise l'extrême droite, c'est les gens des classes populaires. Par exemple, Éric Zemmour qui propose de supprimer beaucoup de cotisations sociales, je pense que ça fera réagir. Les personnes qui vivent dans les banlieues, elles vont pas se laisser faire. Peut-être que pour toi, elles ne font pas partie de la gauche, mais il n'empêche que ces gens-là sont visés par l'extrême droite. Et c'est ça aussi ce que j'ai essayé de faire comprendre dans ce débat. C'est que ce n'est pas uniquement un débat de salon autour d'un thé. On parle de propositions qui ont des conséquences concrètes dans la vie des gens. Il y a des vies qui sont en jeu. Et c'est pour ça que moi, je ne laisserai jamais l'extrême droite arriver au pouvoir. Bah, qu'est-ce que tu vas faire pour empêcher ça si un jour il Moi, arrive au pouvoir? sincèrement, je pense que si jamais on avait un Éric Zemmour qui arrivait au pouvoir, la question de la violence légitime de l'État, elle serait remise en cause. Moi, personnellement, en tant que citoyen français et en tant que républicain, je ne peux pas laisser un dirigeant que je considère comme anti-républicain arriver à la tête de la France. C'est pour ça que tout à l'heure je pointais que le concept central de ce débat-là, c'était pas tellement l'extrême droite, mais la démocratie. Moi, si quelqu'un d'extrême gauche arrive au pouvoir, je m'en désolerais, mais je ne mènerai aucune action violente. C'est pas mon rôle, et je ne crois pas qu'il faut retourner à l'état de nature dès lors qu'on a un désaccord politique. À l'inverse, Louis estime que si il n'est pas d'accord au nom d'un bien fondé, peut-être légitime, hein, mais si il n'est pas d'accord avec l'élection démocratique, il prend les armes. Je vous laisse comprendre qui représente la plus grande menace pour la démocratie Je trouve actuellement. un peu excessif de parler d'armes, hein. C'est d'ailleurs plutôt le fantasme de l'extrême droite parce que j'ai jamais mentionné le terme. Non, mais quand tu dis D'ailleurs, que quand tu feras je... utilisation de la violence, que tu Non, remettras en cause non, la violence non. légitime de l'État, tu Quand vas je... pas commencer à. Non, bien sûr que Bah, non. Tu sais, bon. y a pas que la violence. Et d'ailleurs, il faudrait être complètement fou pour essayer d'aller s'attaquer à la police. Je veux dire, déjà, y a la question morale qui est un débat intéressant, mais il y a aussi le fait que ces gens sont 10 fois plus armés que nous. Enfin, moi, je me suis déjà retrouvé en manifestation face à des policiers assez véhéments. Je sais très bien que personne ne fera jamais le poids. Après, la question, et c'est ça que j'essaie de faire comprendre, ce n'est pas un débat d'idées. Ce n'est pas parce que je ne suis pas en accord. C'est pas, je ne suis pas d'accord avec l'idée de cette personne-là, donc je vais faire un caprice. C'est le jour où on mettra des personnes avec qui je suis proche ou même moins proche, mais parce que pour une raison discriminatoire, on leur enlèvera des droits ou on les réprimera, je ne pourrai pas laisser faire.
Même si c'est la volonté des Français? Oui, mais voilà, c'est ça. Ouais, ils sont mais élus par les Français. est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'une élection est légitime quand vous avez 50% des gens qui s'abstiennent? Non, parce que à partir c'est du eux qui à partir non mais si jamais bah il y a aussi beaucoup de personnes qui remettent en cause le système démocratique et qui non. ne vont plus voter parce qu'ils n'y croient pas. Après si jamais il y a 90% des Français qui décident d'aller voter pour ce truc-là, bah c'est pas mon pays, alors il y a pas de problème. Et par contre sur le fait que la gauche qui arriverait au pouvoir et l'extrême droite serait toute douce et tout gentille, ce n'est pas vrai. Il suffit de regarder à chaque fois que vous avez eu un gouvernement de gauche, pas en France hein, même d'ailleurs en France quand la gauche enfin quand si l'extrême gauche arrivait au pouvoir, ne quand croyez pas que l'extrême droite arrive au le pouvoir, ferait on n'a pas eu des ligues Mitterrand, fascistes dans la Mitterrand, rue. Hein. Mitterrand c'est pas l'extrême droite. Mais même, regardez, à chaque fois que vous avez un pays d'extrême gauche qui arrive au pouvoir, toujours l'extrême droite, la droite, et même parfois avec le soutien du centre, tente de mener une contre-révolution. Et la politique, c'est... Non mais, la Quel politique... exemple, par exemple? Cuba, ne serait-ce que l'exemple de Cuba, hein. Waouh. 179 tentatives d'assassinat Waouh. contre Fidel Castro, Waouh. le Venezuela, par exemple, avec tous les désaccords que je peux avoir avec les politiques Ah qui oui, sont menées putain, c'est par vrai que ces les pays, mecs de gauche vous aviez... soutiennent Bah moi, le... par exemple, D'accord. tu vois, je soutiens pas le Venezuela. Pourquoi? Parce que je soutiens pas les dictatures. Voilà. Mais il y a quand même, y a quand même une question qui se pose de si vous avez 50% du pays qui s'abstient, que vous avez l'extrême droite au pouvoir et qu'elle décide de mener des politiques contre les migrants, contre les personnes de couleur, contre les personnes musulmanes, je ne laisserai pas faire. Quel est l'invité que vous aimeriez voir débattre au crayon? Je pense qu'un Youssoufa contre un identitaire, ça peut être contre un Damien Rieu, ça pourrait être très sympa. Caris contre Jean Messia. J'y ai pensé et ça me ferait beaucoup rire. Quelle est la citation qui vous accompagne au quotidien? Si vous en avez une phrase, une citation, qu'importe. Quand Abdel Malik, quand t'insultes ce pays, quand t'insultes ton pays, tu t'insultes toi. Voilà. J'ai plus le nom, mais vous le retrouverez facilement. Être de gauche, c'est d'abord penser au monde, ensuite penser à son pays, ensuite penser à sa famille, et après penser à soi. Être de droite, c'est l'inverse. Et merci à vous d'être venu au crayon, c'est un vrai plaisir de vous C'est un recevoir. plaisir. Plaisir. C'était Sixtine pour le crayon.